Geno, bonjour. C'est aujourd'hui votre nouvelle neurofête, celle de l'année 2013, et je me réjouis pour vous. J'étais ravi d'être avec vous l'an dernier, mais je ne peux pas être là cette année. Avant tout, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour le soutien à la recherche qui nous est indispensable pour avancer. Comme vous le savez, vous nous accompagnez dans un projet, celui d'identifier des nouvelles cibles de traitement pour les enfants avec une épilepsie résistante aux médicaments qui sont actuellement disponibles. L'inspiration de notre travail vient du régime cétogène, qui est une modification de l'alimentation, un bouleversement de l'alimentation, qui permet d'apporter une amélioration chez un patient sur deux, alors que les nouveaux médicaments aujourd'hui améliorent seul un patient sur 10. Dans nos travaux, au laboratoire de recherche, nous avons pour le moment trouvé un candidat qui pourrait être un facteur qui explique comment marche ce régime cétogène. Au cours des 2 années à venir, notre projet est de tester cette hypothèse pour savoir si réellement ce facteur que nous avons identifié peut être le facteur qui fasse que le régime cétogène ait ce pouvoir aussi important chez les patients avec épilepsie. Si, à l'orée de ces 2 ans, nous confirmons notre hypothèse, alors il faudra encore probablement quelques années, à peu près 4 à 5 ans, pour un développement clinique pour apporter cette nouvelle molécule potentielle dans les pharmacies et pouvoir l'utiliser chez les patients. Cette année, grâce à votre soutien, c'est une nouvelle brique qui se pose dans notre démarche, cette démarche que nous avons engagée pour tester cette nouvelle piste de traitement. Et pour tout cela, je vous remercie une nouvelle fois.